case. And it does. C'est bon, ça va. Enfin, oui. Moi, je ne la vois pas. Tu la reconnais pas? Oui. Vous pensez, non, c'est grand, la campagne est grande. Deux? Oui. Et lui, il ne me voit pas. Il t'entend, c'est bien. Il m'entend. Il y a deux mois, ce colibri ne vivait pas très loin de la chevêchette brune. Mais les fleurs sont écloses dans le parc national de Yellowstone. Et il a fait un très long voyage pour s'y rendre. Il raffole de ce nectar sucré. Sa langue extensible lui permet d'atteindre le liquide tout au fond de la fleur. Il peut voler sur place pour boire grâce à ses ailes hélicoïdales. Telle une abeille dans un corps d'oiseau. Ce vol stationnaire est une véritable prouesse. Le colibri est l'oiseau ayant les ailes les plus rapides, à raison de 50 battements par seconde. Et cela demande énormément d'énergie. Chaque jour, il consomme deux fois son poids en nectar, qui contient environ la moitié de son poids en sucre. Alors, quand un voleur de nectar se présente, le colibri se défend bec et ongles. Malgré son poids plume, c'est un petit oiseau très en colère. Tout ce qui compte pour lui, ce sont les fleurs. Et quand elles fanent à Yellowstone, il s'en va.